Ce mercredi, la reine Laetitia Depagne a assisté à la réunion du conseil d'administration de la Fundación de Ayuda contra la Drogadiction. Cela s'est déroulé au siège de Mutua Madrilena. Habituellement, la reine Depagne choisit une tenue sobre et formelle pour ce type de réunion. Elle a fait exception à cette règle cette fois-ci. En effet, la reine a utilisé sa garde-robe pour soutenir une autre cause lors de cet événement. Cette robe qu'elle a choisie et qu'elle porte pour la première fois est assez spéciale. Il s'agit de l'un des modèles conçus par l'Association pour la prévention, la réinsertion et la prise en charge des femmes prostituées, APRAN. Il s'agit d'une cause que la reine Laetitia soutient. Elle a également tenu une réunion avec cette association l'année dernière. Le designer de cette magnifique robe n'est autre que Ulysse Mérida. Rappelons que le couturier a présenté, libre, la collection de vêtements lors de la dernière édition de la Mercedes-Benz Fashion Week. Une autre collection spéciale puisque les vêtements la composant ont été confectionnés par 12 survivants de la traite des êtres humains formés par APRAN. La reine Laetitia récidive. La reine Laetitia est pleinement consciente du fait que sa garde-robe fait l'objet de l'attention de ses fans. Un point dont elle joue à son avantage puisqu'elle l'utilise, cette semaine, pour soutenir la mode locale. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule fois où Donna Laetitia use de sa garde-robe pour faire passer un message. Récemment, la reine avait porté une autre robe spécifique lors de la visite au centre mémorial des victimes du terrorisme de Vitoria. Aux côtés de son mari, le roi Felipe V ainsi que le président du gouvernement Pedro Sánchez, elle avait opté pour une création de la styliste Lair Dwey. Un message fort en faveur de la mode basque.